aujourd'hui dans Fast Club, nous avons des invités de marque. Ah, formidable. Ah oui, de prestige. Mais alors, c'est peut-être pas des as de la conduite. Ça, on va le voir un peu plus tard. Ah, j'ai cru comprendre qu'on allait très bien manger, non? Ah, ça, c'est sûr. Ensuite, toi, peut-être que tu vas rendre ce que tu as mangé, mais ça, on verra plus tard. Regardez, mesdames, messieurs, Thierry Marx, Christian Constant, messieurs, bonjour. Stéphane, chef, bonjour, bonjour. Ravi de vous avoir dans Fast Club. Ça fait très plaisir, franchement. Top Chef, c'est terminé. Du coup, place au sport. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Bon, et alors, avec un engin, messieurs, assez surprenant, regardez, elle est juste là. Elle a l'air bien élevée comme ça, hein. Elle a l'air plutôt chic dans sa livrée grise. Confortable. Hein. Confortable. Allez, on pourrait presque dire qu'elle passe inaperçue. Messieurs, méfiez-vous de l'eau qui dort. L'Audi RS5, Nico, c'est un engin de guerre. C'est un engin de guerre avec le moteur de la R8, un V8 de 450 chevaux. 450 chevaux, c'est quand même beaucoup. Je sais pas si ça vous dit, ça vous parle? Ça me parle pour avoir testé RS6. Hein. Ah, il connaît quand même. D'abord, tour du propriétaire, d'accord. Je vous fais découvrir à chacun la voiture. Et puis ensuite, on prend la piste, d'accord? C'est parti. Pour pas être chose qui fâche, on tutoie les 100 000 euros quand même, hein. Ah oui. Ah, quand même. C'est bien. On peut gagner Top Chef et acheter la voiture. Exactement. C'est une bonne idée. Audi céramique. Alors, des freins en céramique, c'était des choses que normalement Ferrari, Porsche mettaient sur ses voitures. Audi commence. Allez, on regarde l'arrière. Assez surprenant, l'une des signatures, c'est les énormes sorties d'échappement, parce que forcément, il y a un très gros moteur. Elle est vraiment trapue. On voit que c'est une voiture... je ne suis pas connaisseur, mais qui doit s'adapter au circuit et qui doit avoir du punch et de la vitesse. Alors vous voyez, les deux petits signes, c'est tout. Hein. RS5 sur le siège, on le voit là. RS5 ici sur le levier. Quelques petits détails, vraiment. Sinon, on est dans un diesel, mais vous allez voir qu'on va démarrer, ce sera autre chose. Bon, bah, on va y aller alors. Attention, mesdames et messieurs. Là, on va passer dans un autre univers. On va voir Thierry Marx et Christian Constant sur le circuit en train d'essayer de maîtriser les 450 chevaux de la voiture. Alors, par contre, je préconiserais juste d'avoir les deux mains à 9h15, ouais, ouais. Et toujours les deux mains sur le volant. Voilà. Vous regardez là où vous voulez aller et vous regardez loin. D'accord. Voilà. Là, vous n'attendez pas la fin du premier tour pour y aller, vous. Hein. Ouais. À ton avis, tu vas aller mieux ou pas? Je pense. Il est peut-être mieux dans la cuisine moléculaire, mais moi, là, je pense que je vais lâcher les gaz. Voilà, doucement, on garde le filet de gaz. Voilà, vous voyez, là, on est loin de la... On est loin de la... On va y aller cool le premier tour. Ah, mais je me sens bien. Hein. Ah oui, vous vous sentez bien. Bon, ben, c'est cool, alors on y va. Alors, filet de gaz, on continue. Oh, il prend d'entrée de jeu le rupteur sur l'accélération. Vous allez un peu vite, là. Vous allez un peu vite, là, là. C'est bon, toujours le regard loin. Voilà, Thierry, là, c'est bon. Là, ça commence à parler. Ouh là 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 là. Là, ça va vite. Oh, ça va vite. À fond. Gaz, on fait parler les 450 chevaux, là. Ils sont bien là, hein. Mesdames, messieurs, Christian Constant est en forme ce matin. C'est ce qu'il m'a observé. Il se referme, celui-ci, hein. Il se referme. Ça y est, ça crise bien, là. Ça y est, il a fait un bon freinage. C'est musclé, hein. Ouais, c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours. Ouais, ouais. C'était pas mal, hein. C'était ouais, bien, ouais, hein. C'était super. Non, mais il voulait plus s'arrêter, hein. Avec Christian, on trouve que vous vous traînez un petit peu. Moi, j'étais habitué au tractopelle, maintenant, là. Je veux qu'on s'arrête, hein. Mais je pense... Hé, entre-nous, hein. Vous avez été mieux. Vous le gardez, vous, leur dites. Ouais, ouais. Observation, si tu sais pas ce que ça veut dire. T'as eu des chaleurs à un moment ou pas du tout? J'ai eu des chaleurs à un moment quand j'écoutais. Moi j'en ai eu. Bon, maintenant vous êtes chaud. Ouais. On a l'impression, sur le papier, que Christian Constant est un peu plus. Oui, oui. Hein? Vif. Fou. Fou. Maintenant nous allons vous opposer avec une épreuve un peu singulière. Tout le monde connaît dans la cuisine l'œuvre de Christian Constant. Ouais. Bon. Nous allons vous demander cette fois-ci de ne pas casser des œufs. Ouais. Vous allez comprendre. Ouais. Première épreuve.
Vous allez partir en slalom et vous le voyez, sur les cônes, on a rajouté un œuf. Il va falloir être d'une précision, d'une rapidité d'exécution pour passer toutes ces portes sans faire tomber le moindre œuf. D'accord ? On commence par 30 à l'heure. Ça paraît rien. Je peux vous dire que si vous commencez à vous embarquer, ça va être très, très compliqué. Et si vous y arrivez, on montrera la vitesse. Tu me dis quand t'es prêt, t'es parti. C'est parti. Attention, c'est parti. Il a pris très large pour commencer. Je suis pas sûr qu'il soit à 30, moi. 30 km/h, t'es trop bas. 30 km/h, réaccélère légèrement. Il est bon. Voilà, pas trop non plus, il faut pas que tu dépasses. Voilà, pas trop non plus. Impeccable. C'est passé. Maintenant, je suis pas sûr qu'il était à 30 à l'heure, on va vérifier. Passage impeccable, il était vraiment à 30. Il était plutôt à 25 qu'à 30. Maintenant, on va voir combien à 40. C'est parti. Deuxième passage. Réaccélère très légèrement, il faut que tu réaccélères encore. Oh là, ça va bien, il est bon, ça va vite. Ah, est tombé. Un seul. Oh, c'est fort. C'est pas mal. Là, alors là, c'est pas mal. Hein. Un seul de tombé. Allez, Christian Constant, c'est parti. 30 km/h, stabilise, réaccélère légèrement. Les dés sont jetés. Et alors là, en plus, c'est dans les grandes largeurs. Mais ils ont volé, vous avez rien vu. Attends, déjà, regardez le chronomètre, le volant. Il faut mettre à 9h15. À un moment donné, on peut pas tout faire. Hein. Cette manche, c'est la victoire de Thierry Marx. Et maintenant, il y a le freinage à grande vitesse. Ça, c'est technique également. Peut-être que Christian Constant peut inverser la tendance. Nouvelle épreuve. Cette dernière épreuve est sous forme de mort subite. Vous allez arriver à 85 km/h. 85. Et vous avez quelques mètres. Nico va vous donner le top. Et il va falloir vous arrêter juste avant le premier cône. Ensuite, il y a des œufs tous les 2 mètres. Alors, un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs. 4 œufs, c'est que vous avez complètement planté votre freinage. Hein, parce que voilà. Mesdames, messieurs, Thierry Masse entre Christian Constant. Thierry a pris l'avantage pour l'épreuve précédente. On va voir. Accélère, voilà, stop, stabilise, voilà. Il arrive. Mais non ! Je suis pas sûr que Christian puisse faire mieux parce que ça va très très vite. J'ai vraiment enfoncé, hein. J'enfonce. Allez Christian, c'est à toi. 85 km/h, respectez le top de Nico surtout. Stabilise. Top. Oh, il n'y a rien à faire, il est bon. Mais moi j'écrase. Et pourtant il était au-dessus de 85 km/h. Ah, il a tapé très fort. Allez, venez, ça fait un match nul. Viens Christian. T'as pas eu trop peur avec nos chefs, ça allait ? Non, j'ai été rassuré. Bon. En tout cas, je sais que Christian, on peut lui confier des choses parce qu'il est prêt à y aller loin. Thierry, sobre au départ, et ensuite, il se lâche. Après, il y va. Très prudent, mais oui, il est efficace. C'est deux philosophies différentes, mais finalement, on arrive au même résultat. On vous donnera rendez-vous très bientôt sans doute dans Fast Club. On fera venir peut-être Guylaine et Jean-François Piège, mais je pense que vous êtes de redoutables adversaires. Hein. Ouais, surtout pour Guylaine. Est-ce qu'on peut partir avec la voiture ? Non, ça on la garde. Allez, à très vite dans Fast Club. Merci, chef. À bientôt et merci. Ciao.